بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إنعامه وإفضاله. الحمد لله كما ينبغي لجلاله وجماله وكماله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحابته وآله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شيخ السلام عليكم ورحمة الله. كما vous avez pu le constater, le mois de Ramadan est à nos portes. نحن بين يدي رمضان كيف نستقبله؟ كيف نعيشه؟ Mois de Ramadan est à nos portes. Y avons-nous pensé? En sommes-nous conscients? Avons-nous pris conscience, évalué la valeur spirituelle et sociale de ce mois sacré? Comment devons-nous l'accueillir? Comment chacun et chacune d'entre nous déploie les efforts nécessaires pour aspirer à un meilleur être moral et spirituel? يروي ابن خزيمة في صحيحه عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظروا إلى هلال شهر شعبان أكبوا على المصاحف يقرؤونها. ابن خزيمة rapporte dans son authentique le hadith selon Anas. Anas, le compagnon des messagers صلى الله عليه وسلم, disait lorsque les compagnons et les compagnons du messager صلى الله عليه وسلم apercevaient le croissant des mois de Shaban, elle se penchait sur la lecture du Coran. Elle se consacrait à la lecture du Coran. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظروا إلى شهر شعبان أكبوا على المصاحف يقرؤونها. وأخرج المسلمون زكاة أموالهم ليتقوى بها المسكين والضعيف على صيام شهر رمضان. Les musulmans versaient leur zakat afin de permettre aux nécessiteux, permettre aux pauvres de jeûner le mois de Ramadan dans de bonnes conditions. وَدَعَ الْوُلَاتُ أَهْلَ السِّجْنِ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَدٌ أَقَامُهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌ خَلَّوْ سَبِيلَهُ. Les prisonniers de 10 lits mineurs sont amnistiés, leur donnant ainsi l'occasion de se racheter, de se corriger, de tirer profit de ce mois béni pour commencer une nouvelle page. وَأَسْرَعَ التُّجَّارُ فَأَخَدُوا مَالَهُمْ وَأَدَّوْ مَا عَلَيْهِمْ. Les commerçants se dépêchaient de finaliser leurs transactions. حَتَّى إِذَا نَظَرُوا إِلَى أَهْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ اغْتَسَلُوا وَاعْتَكَفُوا. Et dès qu'ils apercevaient le croissant du mois de Ramadan, ils redoublaient d'efforts. Ils se purifiaient et redoublaient d'efforts en termes d'adoration, en termes de bonté, en termes de générosité. C'est ainsi que nos prédécesseurs accueillaient le mois de Ramadan, se préparaient moralement et spirituellement pour mieux goûter et mieux vivre ce mois béni. Nous, dans notre contexte de confinement, au milieu de nos préoccupations diverses et variées, comment devons-nous se motiver pour accueillir ce mois béni? Comment chacun et chacune d'entre nous doit déployer les efforts nécessaires pour tirer le maximum de profit? Donc, quelques éléments de réponse, Inch'Allah, mes chers frères. Je vais vous donner la réponse, Inch'Allah, qu'il faut nous aider, qu'il faut nous accueillir, qu'il faut nous accueillir le mois de Ramadan. En premier lieu, je dirais qu'il convient de prendre conscience de l'importance, de la valeur de ce mois-ci. Idrak, qimat Ramadan. Nous devons prendre conscience de l'importance de ce mois béni, du temps et du calendrier sacré. Imam Ibn Khuzaymah rapporte son Abu Mas'ud al-Rifari, radhiyallahu anhu, qui dit « J'ai entendu dire le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors que le Ramadan était en cours, si les gens savaient ce qu'est réellement Ramadan,
ma communauté ou si vous êtes que toute l'année serait Ramadan. لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. Autrement dit, si les gens savaient, avaient pris conscience des bienfaits, des grâces, des faveurs, des bénédictions qu'Allah accorde dans son mois béni, ils auraient souhaité que toute leur vie serait Ramadan. Dans un autre hadith, rapporté par Ibn Khuzaymah selon Anas, le messager sallallahu alayhi wa sallam interpelle. Ça, c'est un système pour justement attirer l'attention, c'est un système d'éducation. Le messager sallallahu alayhi wa sallam était pédagogue dans ses faits et gestes. Donc, voulant attirer l'attention des compagnons et des compagnonnes, il leur posa trois fois de suite la question suivante. Il leur disait « Mada yastaqbilukum wa tastaqbilu talata marrat » Savez-vous ce que vous accueillez et ce qui vous accueille? Omar ibn Khattab disait au messager, est-ce une nouvelle révélation? Qala ya Rasulullah, awahiyun nazal? Les compagnons attendaient avec désir ardent la descente des révélations. Ils étaient en contact direct avec la révélation. Donc c'est pour cela qu'il a posé, est-ce une nouvelle révélation? De la part de Dieu? Le messager il a dit non. Est-ce un ennemi qui survient? Awahiyun nazal? Qala la. Qala aduun hadar? Qala la. Est-ce un ennemi qui survient? Il a dit non. Quoi alors au messager? Famada, ya Rasulallah. Qala ida kana awwal laylatin min Ramadan, ghafara Allah li ahli hatihi al-qibla jami'an wa ashara bi yadihi ilayha. À la première nuit du mois de Ramadan, Dieu absout le péché de tous ceux qui se revendiquent de cette qibla. Il l'a désigné de sa main. C'est un grand privilège de se savoir visé par ce hadith. Dans le hadith de l'imam Bukhari, « Ida kanat awwalu layti min Ramadan, futihat abwaabul jannah, wa ughliqat abwaabul nar, wa soffidat maradatul shayatin, wa yunadi munadi, ya baghi al-khayri aqbil, wa ya baghi al-sharri amsik. » La première nuit de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment, les diables sont enchaînés, et l'ange appelle au celui qui aspire au bien, approche-toi, au celui qui aspire au mal, abstiens-toi. Alors, pour expliquer ce hadith, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment, dans le sens où, durant ce mois béni, le bien se propage et se ressent. Les musulmans aspirent à être bons et à promouvoir le bien, à faire le bien, à propager le bien. La spiritualité monte en flèche durant ce mois béni. Par expérience, le mois de Ramadan, nous tous et nous toutes, on voit que notre spiritualité, alhamdoulilah, il est vivace. C'est pour cela que tous ceux qui ont fait l'expérience de la discipline du jeûne du mois de Ramadan, attendent avec nostalgie le retour du Ramadan prochain. Les diables sont enchaînés dans le sens où, durant ce mois béni, la prière est belle. La concentration dans la prière, la présence à Dieu dans les adorations est omniprésente. Les disputes, les animosités, les conflits entre musulmans sont réduits. C'est-à-dire, la fraternité est accentuée. En deuxième lieu, mes chers frères et sœurs, les deuxième élément de réponse, nous salat salia, un retour sincère vers Allah. Nous entamons le mois de l'introspection, le mois des pardons. Nous mouqbilouna ala shahri tawbah. على شهر الغفران فيجب أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى أن نتطهر من الذنوب. عفوا. Nous devons entamer ce mois sacré, ce mois de l'introspection, ce mois de la réconciliation par excellence avec Allah سبحانه وتعالى, avec une nouvelle page. Une nouvelle page avec un cœur. C'est le mois du cœur. C'est le mois de la sincérité avec Allah عز وجل. Vous savez, nous sommes des humains, nous sommes sujets à l'oubli, à de l'insouciance, à de la négligence, à des manquements. La perfection appartient à Dieu. Et lorsque on revient à Dieu avec un cœur sincère, on se corrige, on vit d'un meilleur être moral et spirituel. Commencez, entamez son mois béni avec une nouvelle page, avec de grandes résolutions. La tawbah, nasouh, il faut que les conditions soient réalisées, que l'équation soit
soient réalisées. La première des choses, c'est que arrêter les péchés en question. Arrêter l'oisiveté, la négligence, le laisser aller. Ça, on le laisse de côté. Troisième chose, éprouver des regrets, parce que le temps passe vite. On se rapproche davantage chaque jour de notre rendez-vous inéluctable avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on regrette les manquements, les négligences qu'il y avait auparavant. Troisième chose, qu'on ait la ferme résolution, qu'on ait des bonnes, grandes résolutions pour tirer profit, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chez Talit, troisième élément de réponse, avoir une bonne intention et être sincère. Ce serait un niya. في الحديث عند الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Les actes, hadith rapporté par le Bukhari sur Omar al-Khattab, le messager صلى الله عليه وسلم disait les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon sa visée. Le musulman connaît l'importance de niya, que c'est le secret, la quintessence de tout acte d'adoration. المسلم المؤمن يعرف قيمة النية لأن كاين عبادات جسدية كنقوموا بها بالجسد وكاين عبادات قلبية les adorations corporelles et les adorations du cœur et les adorations du cœur sont les plus importantes s'ils ne sont pas valides s'ils ne sont pas valables les adorations corporelles ne le sont pas non plus إذا المؤمن كيعرف القيمة ديال النية كيعظم النية Abu Darda, radiallahu anhu, le compagnon du messager, disait « Ya habbada sawmul kakiyasi wa fitruhum »« Ya habbada sawmul akiyasi »« Al-akiyasi » c'est le fatinin, les gens qui ont l'abal, les gens qui ont l'aqal, qui ont l'albab d'yelhum. « Ya habbada sawmul akiyasi wa fitruhum »« Kifa yagbinouna sawmul hanqa » يعني qu'il y a beaucoup de gens qui sont غير l'alkl ou l'shab. لكن الكيس الفطن الحدق كيصوم طاعة لله عز وجل كيصوم على المحارم كيصوم عن خائنة الأعين وما تخفي الصدور أبو الدرداء بيسي justement que les musulmans avisés doués d'intelligence leur jeûne ne se limite pas juste à se priver s'abstenir de manger et de boire leur jeûne c'est s'abstenir tout ce qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala c'est de s'abstenir de toute chose qui peut nuire ou qui peut altérer ou qui peut anéantir nos bonnes actions durant son mois. C'est pour cela que le messager sallallahu alayhi wa sallam disait, hadith عند l'imam al-Bukhari et Abi Huraira, « Man sama ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi » قال l'imam al-Khattabi, رحمه الله عليه, « Imanan wa ihtisaban, ayniyatan wa azimatan » وهو أن يصومه على التصديق رغبة في توابه. كيكونك جل أي الأحباب وهو قراءة القرآن شهر رمضان شهر القرآن بامتياز شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقة لمن رمضان c'est l'occasion pour se réconcilier avec le Coran pour réciter le Coran pour lire le Coran pour le méditer et le goûter Les prières de Tarawih que nous faisons durant le mois de Ramadan, ce n'est qu'une célébration de la descente du Coran durant son mois béni. Nous avons dit que كيختم القرآن كاين بعض الناس يقول لك كيفاش كان يدير واش ما كان كيدير والو كان كيهتم باش مشكل الوقت اي الاحباب مشكل اراده همه nos prédécesseurs avaient une relation particulière avec le Coran durant le mois béni j'ai donné l'exemple de l'imam Shafi'i qui lisait le Coran du début jusqu'à la fin qui clôturait ce qu'on appelle une clôture du Coran 60 fois durant le mois béni de Ramadan ça veut dire deux fois par jour Certaines personnes avec leur esprit cartésien étroit vont dire, mais comment il faisait? Puisqu'il ne faisait que cela, parce que c'est impossible en 24 heures, de faire cela. Ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème de volonté, d'envie, de lire le Coran, de le vivre et de le goûter.
afin de sortir. Vous imaginez, il y a un verset du Coran qui doit interpeller plus d'un d'entre nous. Dans Sourate Al-Furqan, يقول الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Le messager s'est plaint à son Seigneur en disant, Seigneur Dieu, ma communauté a déserté le Coran. إذن شهر رمضان شهر القرآن قرأوا القرآن نحفظوه نسمعوه نتأملوه نفهموه. إذن faut vraiment avoir cette résolution d'avoir une relation particulière avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, sallallahu Abdullah ibn Mas'ud, il disait ce Coran est le festin de Dieu. Acceptez l'invitation qui vous est faite de toutes vos forces. Il est la corde qui peut vous lier à Dieu. Il est la médecine bénéfique. Il est une sauvegarde pour qui s'y tient. Il est le sauf-conduit pour qui s'y conforme. Lisez-le, Dieu récompensera votre lecture. Pour chaque lettre lue, une bonne action. Je ne dis pas que le vocable alif lam mim est-il l'être, mais alif est-il l'être, donc une bonne action. Lam est-il l'être, donc une bonne action. Mim est-il l'être, donc une bonne action. Quatrième élément de réponse, mes chers frères et sœurs, c'est avoir bon cœur. Un cœur habité par l'amour de Dieu, l'amour des messagers, n'en veut à personne. Si ce n'est à lui-même, à son propre ego et à Satan qui le font dévier. Avoir bon cœur, c'est avoir un cœur qui pardonne, qui dépasse. Pardonner pour se libérer. Pardonner pour être en paix. Pardonner pour ne pas être rancunier. Parce que comme vous le savez, comme disait Jalal al-Din Rumi, irsil qalbaka bil mahabbati qabla al-ma. Tawadda bil mahabbati qabla al-ma. Fa inna as-salata min qalbin haqidin la tajouz. Purifie ton cœur par de l'amour avant de purifier ton corps avec de l'eau. Car la prière qui émane d'un cœur rancunier n'est pas valide. في الحديث الذي روى أبو داود صححه الألباني رحمه الله عن ثوبان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر بأن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا ما يدخل له في الآخرة من قطيعة الرحم والكذب والخيانة وإن القوم لا يكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكتو عددهم إذا تواصل. Donc avoir bon cœur, pardonner et entretenir les liens de fraternité, les liens familiaux, les liens d'amitié. Dans le hadith rapporté par Abu Daoud, authentifié par Al-Albani, son entourage, le messager sallallahu alayhi wa sallam disait: il n'y a pas un péché qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam précipite le châtiment dans cette vie avant la vie future que le fait de couper les liens de fraternité, les liens d'amitié, les liens de parenté. Le mensonge et la trahison. Les gens peuvent être loin des chemins de Dieu, peuvent être des pervers, mais Allah subhanahu wa ta'ala bénit leur subsistance, bénit leur bien, parce qu'ils entretiennent les liens de parenté, les liens de fraternité, les liens d'amitié. En conclusion, mes chers frères et sœurs, chacun et chacune d'entre nous doit déployer les efforts nécessaires pour vivre ce mois de Ramadan de la meilleure façon qu'il soit. Que chacun et chacune d'entre nous doit dès maintenant se donner les moyens afin d'accéder à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de renforcer, de consolider sa foi. Si on ne le fait pas durant ce mois béni, ce sera trop tard. Vous imaginez le messager sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, selon Ka'b ibn Urja, le messager sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il monte sur l'estrade. À la première marche, il dit Amin. À la deuxième marche, il dit Amin. À la troisième, il dit Amin. Ce comportement inhabituel interrogea les compagnons et les compagnons. Donc, ils ont questionné le messager. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, c'est l'ange Gabriel qui est venu me voir et qui a formulé trois invocations.
À la première, il a dit « Man adraka shahar Ramadan, falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah. » Quiconque vit le mois de Ramadan, passe le mois de Ramadan, sans voir ses péchés absous, sera éloigné, va être éloigné, sous-entendu va être éloigné de la miséricorde de Dieu. Donc, prenons conscience, Inch'Allah, de l'importance de ce mois béni, de ce mois sacré, et donnons-lui le moyen afin de le vivre comme il se doit, afin qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, à la fin de ce mois, nous accorde sa proximité, nous accorde son amour avec un grand A, nous accorde sa miséricorde et ses grâces. Que nos actions, toutes nos bonnes actions, diront ce mois et en dehors de ce mois, ne soient rien d'autre que la conséquence immédiate de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour le messager sallallahu alayhi wa sallam. الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يروي الإمام أحمد وهو حديث صحيح ورجال أحمد ثقات عن سيدنا كعب بن عجرة النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر في كل درجة كان يقول آمين الدرجة الأولى قال آمين الثانية قال آمين الثالثة قال آمين سولوا الصحابة علاش قال لهم إنه جبريل إنه أتاني جبريل فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله اللهم لا تبعدنا يا كريم اللهم لا تحرمنا فضلك وجودك وكرمك حيث أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا لصيام رمضان للتزود من رمضان للفوز بالله تعالى في رمضان إنه من لم يفوز بالله فلا نهاية لحسرته صلى الله عليه وسلم يحرمناش ويحرمكوش وفي هذا القدر كفاية اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا تراب نسألك الله أسمائك الحسنى وصفاتك العليا لأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله غيره ولا رب سواه اللهم اغفرنا في مسنا هذا أجمعين هب المسيئين منا للمحسنين اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ما أعلنا وما أسررنا ما تعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وارزقنا أعمالا زاكية يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ازم الحسنات إحسانا وعن السيئات تجاوزا وغفرانا اللهم اغفر لأموات المؤمنين اللهم ارفع عن الناس هذا البلاء وهذا الوباء اللهم ارفع عن الناس هذا الوباء وهذا البلاء يا أكرم الأكرمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقية الصالحات أعمالنا واجعلنا ممن يفوز بك في رمضان واجعلنا ممن يعيش يصوم رمضان إيمانا واحتسابا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خيرا حسن الله عليكم.